la vie de Christ dans un homme. Produira les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produira un chrétien, jamais païen. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Le jour où Lot sortit de Sodome, il plut de feu et de soufre, tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. And he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here or see there, go not after them nor follow them. For as the lightning that lighteneth out of the one part of under heaven shineth under the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things and be rejected of this generation. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Luc 18, le 8e verset, la partie B. Luke 18, the second part of verse 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Amen. Amen. Romains 11. Matthieu 11. Matthew 11. Le premier au sixième verset. Verses 1 through 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. And it came to pass when Jesus had made an end of commanding these 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto them, Art thou he that should come, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them, and blessed is he. Whosoever shall not be offended in me. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Jesus Christ the same yesterday, and today, and forever. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. May the Lord Jesus bless his word, and you may be seated. Avec ces passages de l'Écriture, so with this passage of Scripture, nous avons pris un message du prophète. We have taken a message by the prophet. Il avait prêché le 25 avril 1961. But he preached April 25, 1961.
message qu'il avait intitulé La béatitude oubliée. And he called it the forgotten beatitude. La béatitude oubliée. The forgotten beatitude. Cette béatitude, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 11, au verset, au sixième verset. And we find that beatitude in Matthew chapter 11. Où le Seigneur Jésus parle. And verse 6, where the Lord Jesus is speaking. Après avoir répondu aux disciples de Jean, after he had sent away, qui avaient été envoyés par Jean, the disciples of John that were sent by John, qui s'est retrouvé en prison. And John was in prison. Yeah. Ils avaient envoyé pour demander à Jésus. And he had sent them to ask Jesus, si c'était lui qui devait venir, whether it was him that should come, ou on devait continuer à attendre, or should we continue to wait for another? Amen. 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 Alors Jésus parlant, il a d'abord répondu à ses disciples. And Jesus speaking, il n'a pas dit qu'il était celui qui devait venir. He didn't say he was the one that was to come. Mais il a demandé aux disciples. But he asked the disciples d'observer de voir les œuvres qui étaient en train de s'accomplir en ce temps-là. To watch and see the works that were taking place at that very same time. Les œuvres de Christ. Amen. The works of Christ. Amen. You see, les malades sont guéris. The sick are healed. Les lépreux sont purifiés. The lepers are cleansed. The lame walk. Allez rapporter ces choses. Just go report these things to John. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Blessed is he for whom I will not be a stumbling block. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Brothers and sisters. Frère Branham dans ce message dit. So Brother Branham in this message says. Que c'était une béatitude qui était oubliée. It was a forgotten beatitude. Parce que Jésus a parlé de béatitude dans Matthieu chapitre 5. Because Jesus spoke of the Beatitudes in Matthew chapter 5. C'est là qu'il a parlé des béatitudes. That's where he spoke of the Beatitudes. Mais curieusement, on retrouve cette béatitude. But curiously, this one, pas avec les autres, is not together with those. Au chapitre 5 de Matthieu. In chapter 5 of Matthew. Mais on la retrouve ailleurs. But this one is found elsewhere. Amen. Il dit, vous pouvez lire la Bible sans vous en rendre compte. That you might read the Bible without noticing. Sans savoir qu'il y a une autre béatitude. Amen. Without noticing there's another beatitude. Amen. Amen. Prenons d'abord dans les béatitudes, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 7. Let's first visit the beatitudes in Matthew chapter 5. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. The Lord himself speaking. Et vous? À partir du premier verset, il dit. From verse 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Matthew chapter 5, 1 through 12. All the beatitudes there, blessed are the poor in spirit, blessed are they that mourn, blessed are they the meek, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, blessed are the merciful, blessed are the pure in heart, blessed are the peacemakers. Blessed are they which are persecuted for righteous things. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Amen. Amen. C'est là que Jésus parle des beatitudes. And that's where the Lord Jesus speaks of the beatitudes. C'est là que Jésus parle du bonheur qui attend les élus de Dieu. And that's where Jesus
speaks of the blessedness of those who are elect of God. Béatitude, c'est un bonheur parfait. A beatitude is a perfect happiness. Perfect joy. C'est un bonheur parfait dont jouissent les élus de Dieu. A perfect blessedness that are enjoyed, that's enjoyed by the elect of God. Et Jésus a parlé de cela dans Matthieu 5. And Jesus spoke of these in Matthew 5. Mais cette béatitude ici, but this other c'est comme si elle était oubliée. It appears like il n'en a pas parlé dans Matthieu 5. He didn't speak of it in Matthew 5. Et elle se retrouve au milieu d'autres écritures. And she, this beatitude is found among many other scriptures. Où Jésus parle de Jean. Where Jesus is speaking of John. Un homme. A man. Un aigle. An eagle. Parce que Dieu compare ses prophètes à des aigles. Because God likens his prophets unto eagles. Et ce Jean-là. And those people. Étaient plus qu'un prophète. They were more than a prophet. Il était l'un des plus grands prophètes. John, rather, was more than a prophet. Yes, he was one of the greatest. Et frère Abraham dit, pourquoi était-il un grand prophète? And the prophet says, why was John? Parce que les autres prophètes ont annoncé Jésus. Why was John more than a prophet? Ils ont parlé du Messie. Other prophets. Ils ont parlé de Jésus. They spoke of the Messiah. Mais Jean l'a pointé. Amen. But John introduced him. Amen. C'est Jean qui a pointé Jésus. It was John that pointed to him. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. So behold the Lamb of God that takes away the sin. C'est lui qui a introduit Jésus. He is the one that introduced Jesus. C'est le prophète dit, c'est, il est le plus grand prophète. Yes. That's why the prophet says l'un John des plus grands prophètes. Is one of the greatest. Parce qu'il a introduit Jésus. Because he introduced maintenant, Jesus. Étonnez-vous. Amen. Now be astonished. Jean avait pour mission d'introduire le Messie. Whose mission was c'est lui qui a pointé à tout le monde qui était le Messie. He that introduced Jesus to the world. Il dit, c'est lui le Messie qui doit venir. He said, this is the Messiah that was to come. Amen. 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 Mais c'est ce même Jean-là, that Saint John, qui après avoir pointé Jésus au monde, yes, after pointing Jesus to the world, se retrouve dans une situation difficile, finds himself in a difficult situation. Il envoie ses disciples demander à Jésus si c'était lui qui devait venir ou right, on devait encore attendre un autre. He sends his disciples over to Jesus to check and see if he was the one that was supposed to come or should we wait for another. That's right. C'est comme Jean était en train de douter. It's like John was doubting. Après avoir présenté Jésus. After introducing Jesus. That's right. Amen. Amen. Nous voyons dans la Bible dans Jean chapitre 1. We see in the Bible in John chapter 1. Dans l'évangile de Jean. The John, Saint John Gospel chapter 1. Comment Jean présente Jésus. We see how John is introducing Jesus. Et il va donner son témoignage comment il a su que c'était lui le Messie. And he gave his testimony on how he found out this was the Messiah. Il dit que c'est Dieu, c'est lui qui l'avait envoyé baptiser. He says, the one that sent him to baptize, God himself, c'est lui qui lui a dit, is the one that told him, que l'homme sur qui tu verras l'esprit, yes, sous forme corporelle, right, the one that descend, you see, amen, the spirit come on, amen, corporally, c'est celui-là qui baptise du feu et de l'esprit. That's the one that baptizes with fire and the Holy Ghost. Suivez son témoignage. Listen to his testimony. Chapitre 15. Et chapitre 1, verset 15. Ça fait du verset 15. Chapter 1, verse 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. John bear witness of him and cried. C'est celui dont j'ai dit. Saying this was he. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et de sa grâce sur grâce. And of his fullness have we all received and grace for grace. Car la loi a été donnée par Moïse. For the law was given by Moses. La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. But grace and truth came by Jesus Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. No man hath seen God at any time. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est et c'est lui qui l'a fait connaître. The only begotten Son which is in the bosom of the Father, he hath declared him. That's right. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu?
And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who art thou?" Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. And he confessed and denied not, but confessed, "I am not the Christ." Ils lui demandaient, and they asked him, donc? "What then? Es-tu Élie? Art thou Elias?" Il dit, "Je ne suis point." And he said, "I am not." Es-tu le prophète? Art thou the prophet? Il répondit, "Non." And he answered, "No." That's right. Il lui dit alors, "Qui es-tu?" Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Then said they unto him, "Who art thou, that we may give an answer to them that sent us?" Que dis-tu de toi-même? What sayest thou of thyself? Moi, dit-il. He said, "I am." Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. The voice of one crying in the wilderness. Aplanissez le chemin du Seigneur. Make straight the way of the Lord. Comme a dit Esaïe le prophète. As said the prophet Isaiah. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. And they which were sent were of the Pharisees. Et ils lui posèrent encore cette question. And they asked him, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? And they said unto him, why baptizest thou then, if thou be not the Christ, nor Elias, neither the prophet? Je vais poser la question. I'm going to ask you a question. Avant de continuer. Before I go on. Est-ce que Jean était un prophète? Amen. Was John a prophet? Amen. Donc on lui pose la question. And they ask, es-tu le prophète? Are you the prophet? Il lui répond non. He answered no. Je ne sais pas si vous saisissez quelque chose. Amen. Amen. I don't know if you're catching up. Jean était un prophète. John was a prophet. Mais il n'était pas le prophète. Amen. But he was not the prophet. Amen. Amen. Nous avons eu des prophètes dans la Bible. We have prophets in the Bible. Mais il n'y a qu'un seul prophète. Amen. Le prophète annoncé yes, de tout le temps Amen. Dans la Bible. Yes, but there's only one prophet, that is the prophet, Amen. That was announced throughout the Bible. Amen. 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 Il n'était pas le prophète. He was not the prophet. Mais il était un prophète. Amen. But he was a prophet. Correct. Amen. 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 C'est comme en ce temps de la fin. Just like in this end time. Jésus a fait la promesse Amen. Du Fils de l'homme. Jesus made the promise of the Son. On a posé la question au prophète Branham. They asked the prophet Branham the question. Es-tu le Fils de l'homme? Are you the Son of Man? Il dit qu'il n'était pas le Fils de l'homme. He said, I am not the Son of Man. La colonne de feu n'était pas non plus le Fils de Dieu. And the pillar of fire was not the Son of Man. Mais Frère Branham était un Fils de l'homme. But Brother Branham was a Son of Man. Amen. La différence là-bas, the difference there, c'est que le prophète, means the prophet, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Is the Lord Jesus. C'est lui qui était annoncé par Abraham, Amen. The one that was announced all the way from Abraham. C'est lui qui était annoncé par Moïse. The one that was foretold by Moses. Votre père vous suscitera un prophète comme moi. The Lord your God is going to raise up a prophet like unto me. Amen. Amen. Le prophète là, the prophet, not the prophet. C'est Jésus. Amen. It's Jesus Christ. C'est pourquoi Jean a dit, je ne suis pas le prophète annoncé par Abraham ou par Moïse. That is why John said, I am not the prophet that was foretold by Abraham, that was foretold by Moses. Mais il était un prophète. But he was a prophet. Est-ce que vous comprenez cela? You understand that? Amen. Amen. Es-tu le prophète? Are you the prophet? Il a dit non. He said no. C'est le jour au verset 25. Verse 25. Il lui posait encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Why baptizest thou then, if thou be not the Christ, nor Elias, neither that prophet? Jean leur répondit. John answered. Moi, je baptise d'eau. I baptize with water. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. But in your midst is one that you don't know. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. I am not worthy to unloose his shoe patches. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait.
These things were done in Bethesda, right? Beyond Jordan, where John was baptized. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit. The next day, John sees Jesus coming unto him and saith, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. C'est ce dit. This is he of whom Après I said. Moi, vient un homme qui m'a précédé. After me cometh a man which is preferred before me. Était avec, avant moi. For he was before me. Je ne le connaissais pas. I knew him not. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. But that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water. Jean rendit ce témoignage. John bear record. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove and abode upon him. Je ne le connaissais pas. And I knew him not. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizes with the Holy Ghost. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. And I saw and bear record that this is the Son of God. À partir d'un signe qu'il avait vu, from a sign that he saw, Jean a rendu témoignage, John bear record, que c'est lui le Fils de Dieu. That was the Son of God. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. That was the Lamb of God that taketh away the sin of the world. À partir de ce signe, Jean avait une conviction. And from that sign, John was convinced que c'est Jésus. That Jesus, le promis, the promised one, c'est Jésus, Jesus, qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Was the Lamb of God that takes away the sin of the world. Les gens qui avaient fait ce témoignage-là. But now that same John that bear the record. Maintenant, se retrouvant dans une situation difficile. Finding himself in a difficult situation. Parce qu'il était in a dungeon, in a prison. Et le frère me dit, Jean. Brother Brown said, Jean. Était semblable à Élie de Tishbite. Was like Elijah the Tishbite. Jean. Était loin de l'esprit d'Élie. Was anointed of the spirit of Elijah. Jean était un homme qui ne voulait pas faire des compromis avec la parole de Dieu. John was a man that would not compromise. C'était un véritable prophète. He was a true prophet. Il ne pouvait pas supporter les femmes immorales. He could not stand immoral women. Comme Élie de Tishbite. Just like Elijah. Il s'est opposé à Jézabel. Who stood against Jezebel. Lui aussi Jean. John also. Quand il a vu Hérode qui était un roi. He stood before Herod, who was a king. Pour vouloir prendre pour femme la femme de son frère Philippe. Who had taken the wife of his brother Philip. Jean s'est opposé à cela. John resisted him. Jean a parlé contre cela. John spoke against it. Et à cause de cela, il fut mis en prison. And because of that, yes. He was cast in prison. Je crois que vous voyez cela. Amen. You believe that? Vous savez pourquoi Jean était arrêté? You know why John was arrested, c'est right? À cause de cela. It was because of that event. Vous pouvez le lire dans Marc chapitre 6, you can read in Mark chapter 6. On peut quand même lire ce dimanche. Well, since Sunday, let's take our time here and read it a little bit. Mark chapter 6. À partir du 17e verset, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? From verse 17. Là, nous voulons découvrir pourquoi Jean était emprisonné. Let's find out why John was in prison. À partir du verset 17, dans Marc 6. Mark 6, verse 6, 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. For Herod himself had et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. And laid hold upon John and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. Et que Jean lui disait, for John had il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. It is not lawful for thee to have thy brother's wife. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Therefore, Herodias had a quarrel against him and would have killed him. Mais il ne pouvait pas car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. She could not, for Herod feared John, knowing that he was a just man and unholy. Il est protégé. And et après l'avoir entendu, il était
souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. And when he heard him, he did many things and heard him gladly. Donc à cause de son ministère. And so because of his ministry, de son message, because of his message, comme il s'était opposé à Hérode, because he opposed Herod, il se retrouve en prison. He found himself in prison. Il avait déjà présenté Jésus. He had already introduced Jesus. Il est en prison. But now he's in prison. Mais il entend parler des œuvres de Christ. But he hears of the works of Christ. Alors de sa prison, amen. And in his prison, il envoie ses disciples. He sent his témoignage à Jésus. That's right. As says John, comme il était emprisonné, because he was, il était un peu consterné. He was sad. C'est comme ce qu'il pensait était contre de ce qu'il voyait arriver. See, what he was thinking seemed to be contrary to what was happening. Il a présenté Jésus. He introduced Jesus as the Lamb of God that takes away the sin of the world. Il a présenté Jésus. He introduced Jesus comme celui qui vient avec le vin dans sa main, as the one that has this fan in his hand, pour brûler peut-être la paille et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Burn the chaff and everything that was contrary to the word of God. Mais maintenant il voit Jésus un homme doux. But now he sees Jesus a meek, humble person. C'est comme Jésus était la manifestation de quelque chose qui était contraire à ce que Jean s'était représenté. Seemingly, Jesus was the manifestation of something that was contrary to what John thought. Amen. Amen. Et très souvent aussi cela nous arrive. And that occurs to us quite often. That's right. Amen. Amen. Dieu a ses voies. But God, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Has his ways. Très souvent, les voies de Dieu sont contraires à nos voies. And God's ways are often contrary to our ways. Qui a présenté Jésus. That great prophet who introduced Jesus. Et mesclant dans des épreuves. Il s'est tout dans une épreuve. Now in his trial, il est en prison. He's in prison. Lui qui était au service de Dieu. He was a servant of God. Qui a présenté même Jésus. He introduced Jesus. Le Messie est sur la terre. The Messiah is on earth. Et lui se retrouve emprisonné. And he's in prison. Alors il a douté. Il a eu un peu de doute. He had a little doubt. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples. That's why he sent his disciples. Allez lui demander. Go ask him. Est-ce que c'est lui qui devait venir? Is he the one who was to come? Comprenez qu'il l'avait déjà présenté comme étant le Messie qui devait venir. And mind you, he had already introduced him as the one that was to come. Mais maintenant, de sa prison, il doutait. But from his prison, a little doubt comes. Les disciples sont allés auprès de Jésus. And John's disciples went to Jesus. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? What did Jesus tell them? Vous voyez? You see? Il leur montre les œuvres de Christ. He showed them the works of Christ. That's right. Amen. Les malades sont guéris. The sick are healed. Les lépreux sont purifiés. The lepers are cleansed. Les aveugles voient. Mm-hmm. The blind see. Les boiteux marchent. The lame walk. Allez rapporter cela à Jean. Go tell John. Amen. Suivez un peu ce frère. Dis de cela. Oh, let's just follow the prophet a little bit what he says about it. Aimez-vous les prophètes? Amen. You are the prophet? Suivez un peu ce qu'il dit. Listen what he's saying. Frère Branham dit ceci dans le message de la béatitude oubliée. Brother Branham says this in the message, the forgotten beatitude. Il dit ceci. He says this. Au paragraphe 89, nous descendons. Paragraph 89, sorry. Frère Branham dit. Brother Branham says. Je crois que pour beaucoup, I believe that for many, Jésus constitue une occasion de chute. Jesus is a stumbling block. Une occasion de chute plus que ne l'a été quiconque d'autre sur la terre. More of a stumbling block than anyone else has ever been on the earth. Les gens sont vite scandalisés. People are quickly offended. Yeah. Ils sont vite scandalisés. They are quickly offended. Jésus dans cette béatitude placée ailleurs. And Jesus in this beatitude that he placed in a different place. Il l'a glissé là-bas afin que nous puissions le saisir ce soir. And he slipped it in there in that chapter 11 of Matthew that we might catch it today. Et j'aimerais moi que nous puissions le saisir ce matin, saisir quelque chose. Là-bas. And I would like for us this morning also to catch something. Et bien il a dit. And he said, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Blessed is he that is not offended in me. Ne soyez pas scandalisé par moi. Don't be offended by me. Peu importe ce qui se passe.
No matter what takes place. Tout marche exactement comme prévu. Amen. Everything is working right on schedule. Très souvent nous sommes scandalisés. But quite often we are offended. Le message même devient une occasion de chute pour beaucoup. The very message we claim to believe has become a stumbling block. Même pour beaucoup de croyants. Even for many believers. Amen. Depuis que j'ai cru. Ever since I believe. C'est comme les choses deviennent de plus en plus difficiles. It seems like things are getting harder. Je ne fais que passer des preuves à des preuves. I go from trial to trial. On a prié pour moi. They pray for me. Jusqu'à présent, je suis toujours malade. And I'm still sick. Alors je ne crois plus. I don't believe anymore. Le message est souvent aussi une occasion de chute pour beaucoup. And many are offended by the message. Amen. That's true. Le prophète lui-même est une occasion de chute pour beaucoup. The prophet himself. Many are offended in him. Amen. 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 Oh, bien-aimés frères et sœurs. Il est une occasion de chute pour les croyants. He is a stumbling block for the believer. Dans plusieurs cas. In many cases. Wow. Et il est une occasion de chute pour les incroyants. And he is a stumbling block for the unbelievers. Amen. 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 Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. C'est Jésus qui parle. Amen. Jesus speaking says, blessed is that person that is not offended in me. Et nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. And we believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jésus aujourd'hui. Jesus today. C'est ce message. Amen. Is this message. Amen. Amen. Si Jésus a été une occasion de chute pour beaucoup en ce temps-là, if Jesus, many were offended in him in that day. Aussi vrai qu'il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. As true that he is the same yesterday, forever. Aujourd'hui aussi. So is it today. Il est une occasion de chute pour beaucoup. He is a stumbling block for many. Amen. 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 Pour beaucoup il est une occasion de chute. For many. C'est ça que nous voulons dire. Is a stumbling block. That's what we discovered. Alors il dit à ceux qui l'ont cru. Then he says unto those who believe. À ceux qui l'ont accepté. Unto those who received him. Il leur dit heureux. Blessed are you. Heureux tous ceux-là pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Blessed are ye. Blessed are those that are not offended in me. Heureux êtes-vous si ce message n'est pas une occasion de chute. Amen. Hallelujah. Blessed are you this morning if you are not offended in this message. Heureux êtes-vous si le prophète n'est pas une occasion de chute. Amen. Blessed are you this morning if you are not offended in the prophets. Amen. 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 Jean devait continuer à croire malgré les circonstances, malgré les difficultés. Il devait continuer à croire parce que il avait vu le signe être accompli sur Jean et sur Jésus. Hallelujah. In spite of his prison, in spite of his trials, John was supposed to continue to believe because he had already seen God's sign on Jesus Christ. Amen. Amen. Cela nous arrive souvent. See, it occurs to us many times. Nous sommes convaincus que ce message est la vérité. Wow. We are convinced that this message is true. Qui croit que ce message est la vérité? How many believe that this message is true? Parce que Dieu l'a confirmé. Because God vindicated. Et Dieu ne peut pas confirmer un mensonge. And God cannot. Dieu l'a confirmé. Amen. God, comme étant la seule vérité qui existe, has vindicated this message as the only truth. En dehors de ce message, vous n'avez point de salut. Amen. Outside of this message, you have no salut. Amen. 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 C'est la vérité. It's the truth. Mais il arrive très souvent. But quite often. Dans notre vie. In our lives. Quand les épreuves arrivent. When trials. Amen. Amen. Devant les soucis de ce monde. When we are facing the worries and concerns of this life. Les problèmes de ce monde. The problems of this on life. On arrive à douter de ça. Sometimes we doubt. Yes. Ce qui montre que nous doutons du message, c'est la manière dont nous nous comportons. And what shows that we doubt the message is by the behavior we have. Notre façon de se comporter. The way we conduct ourselves. That's right. Montre que nous doutons du message. It shows that we doubt the message. That's right, good brother. Amen. 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 Croire que le message est la vérité. To believe the message is the truth. C'est aussi obéir au message. Amen. Amen. Obéir la message. Amen. 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 Le prophète continue. The prophet goes on. Il nous dit ceci. He tells us this. Eh bien, il a dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute.
Blessed is he that is not offended in me. Ne soyez pas scandalisé par moi. Don't be, don't stumble on me. Peu importe ce qui se passe. No matter what happens. Tout marche exactement comme au prévu. Everything is working on schedule. Ainsi, allez tout simplement de l'avant et croyez cela. So just go forward and believe it. Et c'est tout. And that's tout all. Va très bien. Everything allez tout simplement de l'avant et croyez cela. Just go forward and believe it. Vous savez, Jésus n'a pas fait de reproches à Jean à ce sujet. You know, Jesus never rebuked John. Il n'a pas dit, eh bien, j'ai honte de mon apôtre ou j'ai honte de mon prophète. He never said, I'm ashamed of my prophet John. Il n'a jamais dit cela. Never said that. Il n'a pas dit, que va dire le monde au sujet de ceci. He never said, go tell this and that about John. Alors que tu viens de prêcher, disant, oh, quel grand Messie. You just got through preaching and telling how I was a great Messiah. Quel grand Messie. How, what a great Messiah he was. Et ensuite, and tu as envoyé demander si moi, je suis le Messie. And then you ask people to ask me if I was the Messiah. Jésus ne lui a jamais fait de reproche. No, Jesus never rebuked Jean. Alors que Jean disait la pire des choses qu'il pouvait dire au sujet de Jésus. Whereas John was saying the worst thing that he could say about Jesus. Jésus disait la meilleure chose que Jean n'avait jamais dit. N'avait jamais dit à son propre sujet. And Jesus was saying the highest thing that had never been said about John. Amen. Jean a dit, allez voir si c'est lui. John said, go see if it's him. Amen. Amen. Après que les disciples de Jean furent partis, and after the disciples of John left, Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Jesus said, what went you out to see the wilderness? Êtes-vous allé voir un homme vêtu de précieux pourpoints? Des habits précieux. Did you go out to see a man dressed in fine raiment? Right. Je dis non. Said no. Il était trop éloigné de Hollywood. Ah, sur ce point-là. He was too far away from Hollywood. Et s'il a dit, êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Did you go out to see a man with fine garments? Ils sont dans les palais des rois. You find those in the king's palace. Qu'êtes-vous allé voir? So, what did you went out? Un roseau. Que n'importe quelle dénomination pourrait agiter dans la direction qu'elle veut. And read that any denomination could shift the direction. Oh non, c'est vraiment pas. No, certainly not. Qu'êtes-vous donc allé voir? So, what went you out? Un prophète? A prophet? Il a dit oui. Yes. Vous êtes allé voir un prophète? You went out to see a prophet. Et le plus grand. And the greatest. Yeah, il est plus qu'un prophète. Yes, sir. He is that Elijah. C'est celui dont le prophète a dit, j'envoie mon messager devant moi. It is he of whom the prophet said, behold, I send my messenger. Il a dit, en vérité, je vous le dis. Verily, verily, I say to you. Il n'y a jamais eu un homme né d'une femme aussi grand que Jean-Baptiste. There's never been one born of a woman as great as John. Il ne l'a jamais condamné. He never rebuked him. Il savait qu'il était loin de l'esprit de Dieu. Et que cet esprit de Dieu était sur lui. And the spirit of Elijah was upon him. C'est ce qui faisait cela. That's what did it. Il savait que tout se déroulait très bien. He knew that everything was working just tout se déroulait comme prévu. Everything right on schedule. Alors, frère Ramon dit. And so Ramon says. Pourquoi Jean était-il le plus grand? Why was John the greatest? Maintenant, si vous êtes spirituel, if you're spiritual, vous saisirez quelque chose. You'll catch something. Pourquoi était-il le plus grand? Why was he the greatest? Tous les autres prophètes avaient parlé du Messie. All other prophets spoke of Messiah. Mais Jean, lui, l'a présenté. Amen. But John introduced him. Il est celui qui l'a présenté. John was the one who introduced him. Il en sera de même à la fin des temps. So shall it be in the end time. Tout se déroule comme prévu. Everything working right on schedule. Ne soyez pas scandalisé. Don't be offended. Croyez tout simplement. Just believe. Aujourd'hui, il y a une occasion de chute pour les églises. Today is a stumbling block for churches. Les églises sont scandalisées. Churches are offended. Les gens sont scandalisés. People are offended. Ils sont tout agités. They are shaking. Ils ne savent pas quoi penser. They don't know what to think. C'est la télépathie mentale. It's mental telepathy. Quelque chose d'autre. Maybe something else. Amen. 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 Les gens sont scandalisés quand ils voient Jésus à l'œuvre. People are stumbled when they see Jesus at work. Amen. 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 Nous voyons la promesse de Luc 17. Now we see the promise of Luke 17. Là, c'est Jésus lui-même. Jesus himself. Qui fait la promesse. Making the promise. Qu'un jour vient. That a day is coming. Où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. That you shall desire to see one of the days of the Son of Man. Il lui promet cela. He is promising it. Il dit.
He says, ce qui arriva du temps de Noé, as it was in the days of Noah, Amen. So shall it be. Au jour le Fils de l'homme, in the day when the Son of Man devait se révéler sur la terre, was to be revealed on the earth. Amen. Ce qui arriva au jour de Lot, as it was in the days of Lot, arrivera pareil. Yes. So shall it be. Mais qu'est-ce qui est arrivé? But what happened? En ces jours que Dieu nous prête. In that day that God is pointing. Au jour de Noé. In the days of Noah. Dieu avait envoyé un prophète. God sent a prophet. Yeah, he did. Right. Avec un message. With a message. Right. C'était un temps avant le jour de l'Éternel, un jour de jugement. Amen. It was a day before the day of the Lord. The day Dieu devait détruire la terre. And God was to destroy the world. Après qu'il ait créé l'homme à son image. After he created man in his image. Et qu'il ait formé l'homme. And formed man. De la poussière de la terre. Out of the dust. Pour qu'il puisse cultiver la terre. And he might toil the earth. Amen. Amen. L'homme est tombé. Man fell. Yeah. L'homme est devenu méchant. He became mean. Il y avait de la méchanceté sur la surface de la terre. There was wickedness on the face of the earth. Alors Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. And God even repented of having created man. Je vais détruire cette terre. Said I'll destroy man. Mais Dieu ne peut pas détruire le monde sans avoir averti à ses enfants. God cannot destroy the world. Amen. Until first. He warns his children. Il ne peut pas détruire sans avoir frayé une voie d'échappatoire pour ses enfants. He end up destroyed without making a way of escape. C'est pourquoi avant la destruction, that is why du monde antédiluvien, the antediluvian world, Dieu envoie un prophète avec un message. God sends a prophet with a message. Il devait prêcher. He had to preach. Pour appeler les gens à sortir des choses du monde. To call the people out of the things of the world. À sortir des dénominations de ce temps-là. Out of the denominations of that day. À sortir des choses du monde de ce temps-là. Out of the things of the world of that day. Et à entrer en Christ. And to come in Christ. Et Christ à ce moment-là était représenté par l'arche. And Christ in that day was represented by the ark. L'arche est le type de Christ. Amen. The ark was the type of Christ. Alors il fallait que les croyants de Noé. And so the believers in the days of Noah. Puissent obéir au message de Noé. Have to obey Noah's message. Et un véritable croyant du temps de Noé. And a true believer in the days of Noah. C'était celui-là qui avait cru le message et qui avait obéi au message. Amen. The one that believed the message yes, and obeyed the message. Et le véritable croyant cet temps-là, c'est celui-là qui était entré dans l'âge. A true believer in that day. Yes, amen. Went inside. Et les gens pouvaient discuter. Les gens pouvaient dire, yes, nous croyons en Noé. We believe Noah. Noé est un prophète. Noé est un prophète. Noé est un prophète. Noé est un prophète. Ils pouvaient discuter. They could have argued. Mais quand les déluges sont venus, alléluia. Yes, amen. When the flood came, amen. C'est là que nous avons vu le véritable. Amen. That's when amen. The genuine believer amen. Was made manifest. Parce que nous sommes là qui se sont réclamés de Noé au péril. Where were they all that have said, well, Noah is il n'y a que ceux qui étaient en train de l'âge qui étaient épargnés. But only those that actually entered the ark were saved from the flood. Et Jésus nous montre ce temps-là. And Jesus is pointing us to that time. Et c'est ce qui devait arriver au temps où le Fils de l'homme devait se révéler sur la terre. But the same thing would happen when the Son of Man would be revealing himself on the earth. Il y aurait un autre message. But there would be another message. Avant la destruction du monde. Or at the other destruction of the ark. Un message de grâce. Yes, sir. Un message of grace. Un message qui appelle un peuple à sortir. Un message calling the people out. Il ne suffit pas seulement de sortir. Not just to come out is sufficient. Sortir est une chose. Coming out is one thing. Mais une autre chose, il faut rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il devait sortir. They had to come out. C'est le premier pas. How about the first step? Mais le plus important. Well, the most important. Il fallait entrer dans l'âge. Amen. It's to get inside your heart. C'est l'âge qui est le moyen pour vivre. Yes, sir. And the heart is God providing way. Pour échapper au jugement. To escape judgment. Amen. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Today is dear brothers. Nous pouvons discuter. Mm-hmm. We may argue. Nous pouvons parler. Yes, sir. We may talk. Avoir des doctrines. Uh-huh. We may have doctrine. Oh, Dieu nous envoie un prophète. God sent us a prophet. God sent us a prophet. I believe what the prophet said. C'est bien. Amen. When they croire le prophète, mm-hmm. to believe the prophet, c'est obéir. Yes, sir. Means to obey yes. the prophet. C'est faire ce que le prophète dit. Amen. Means to do what the prophet says. Amen. Amen.
Amen. Brother Branham explique l'écriture de Jean 5, 24. Brother Branham explains Saint John 5, 24. Dis en vérité, je vous le dis. Verily, verily, I say to you. C'est lui qui écoute ma parole. He that hears my word. Et qui croit celui qui m'a envoyé. And believe that he that sent me. A la vie éternelle. Have eternal life. Il est passé de la mort à la vie. And he's passed from death to life. Et il ne viendra pas en jugement. And shall not come into judgment. Et frère, Branham explique cela. And brother Branham explains. C'est lui qui écoute. Says that one that hears. Il a la vie éternelle. And has eternal life. C'est celui qui obéit. Means the one that obeys. Il pourquoi des gens écoutent. Says many here, et sont néanmoins des prostituées. And still a prostitutes. Ah, écoutent, many here, il reste des voleurs. And still many thieves. Amen. Amen. Mais il faut que celui qui écoute, but he that hears, qui obéit, and obeys, ah, c'est celui-là qui a la vie. That's the person that had eternal life. Au temps de Noé, in the days of Noah, il faut croire le message. You have to believe the message. Dans l'arche. To get into the ark. Aujourd'hui, and today, pour être épargné, to be spared, parce que ce monde sera détruit. And this world will be destroyed. Vous le vouliez ou pas. Whether you want it or not, ce monde sera détruit. This world will be destroyed. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Tu as déjà parlé. God's always spoken. Le ciel et la terre passeront. Heaven and earth parole de Dieu will pass. But that word will not pass. Comment ce monde sera détruit? So this world is destroyed. Pour échapper à cette destruction. But in order to escape, pour échapper au jugement de ce monde. In order to escape the judgment, Dieu nous a envoyé un prophète. Before the great day of the Lord, that great and fearful day of the Lord, it's a great day of judgment. Yes, it's a great day of judgment. Yes, it's a great day of destruction. It's a day of destruction. Why is it horrible? That is why it's horrible. C'est un jour horrible. It's a horrible day. C'est un jour redoutable. A terrible day. Ce qui est horrible, ce qui fait peur. Amen. Terrible, horrible, fearful day. Amen. 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 Il a envoyé un message. But he sent un prophète avec un message. A prophet with a message. Pour épargner. Hallelujah. To spare the lives of the righteous. Pour effrayer les échappatoires. To make the way of escape. Amen. 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 Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Jesus didn't stop. Il nous a encore référé, il nous a donné notre référence. Then he gave us another reference. C'est ce qui arrivait du temps de Lot. As it was in the days of Lot. Les gens buvaient. They drank. Mangeaient. They ate. Ils se mariaient. They married. Mariaient leurs enfants. Gave in marriage. Bâtissaient. Built. Ils faisaient toutes ces choses. Everything. C'est normal de bâtir. It's all right. C'est normal de travailler. It's all right. C'est normal de se marier. It's all right to get married. Mais, but les choses naturelles là. Those natural things ont fait que les gens oublient qu'il y avait un message. Have caused the people to forget that there is a message. Ces choses naturelles ont fait que les gens oublient que Dieu devait visiter la terre. Those natural things have caused the people to forget that God promised to visit the earth. Amen. 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 Il dit en ces temps-là. He says in that day, Dieu lui-même était descendu. Amen. God himself came down. Nous voyons cela. And we see it. Dieu. God. Dans la chair, il est. In human flesh. Il est allé visiter son ami Abraham. Went to visit his friend Abraham. Abraham avait eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Abraham had many, many experiences with God. Mais dans Genèse 18, but in Genesis 18, il voit Dieu dans la chair. He sees God in flesh. Amen. Il voit deux hommes venir. He sees two men coming. Et notre père Abraham, and our father Abraham, avec son œil d'aigle, with his eagle sight, frère Abraham dit que Abraham était aussi un prophète. Amen. The prophet Abraham was a prophet. Il a regardé. He looked. Il y avait trois hommes. Were three men. Mais il a appelé mon Seigneur. But he said, my Lord. Seigneur. Amen. Mon Seigneur vient. Yes, sir. Il a reçu le Seigneur. He received the Lord. Alors qu'il y avait trois personnes. And yet there were three people. Yes. Amen. 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 Il est resté avec Elohim. He stayed with Elohim. Dieu, le Dieu tout-puissant qui était dans la chair. The Almighty God in flesh cannot eat. C'est comme les frères, les bien-aimés frères et sœurs que frère Branham est allé visiter dans la sixième dimension. It's just like those brothers and sisters that the prophet visited in the sixth dimension. Ils sont dans un corps céleste. They are in a heavenly body. Right. Ils lui ont dit,
And they don't ici, nous ne mangeons pas. Over here, we do not eat. Nous ne buvons pas. We don't drink. Nous ne dormons pas. We don't sleep. C'était un autre corps. C'est pourquoi quand il est arrivé là-bas, and when he got there, et les femmes et les hommes, both men and women, sont venus l'embrasser. And to hug him. Les femmes pouvaient embrasser frère là. Women could hug Brother Branham there. Là-bas. Over there. Pas ici. Not here. Mm-hmm. Même frère Branham n'était pas dans son corps terrestre. Brother Branham himself was not in his mind. Quand il a eu cette expérience, when he had that experience, il dit, je me suis regardé couché sur le sol. I looked at myself laying in the bed. Il a vu. He saw the body. Il a vu son corps était. He saw his earthly body. Right. Amen. Amen. Il n'est pas allé là-bas avec le corps terrestre. He did not go in the sixth dimension with his earthly body. Il s'est vu jeune. He saw himself. Il a rencontré des jeunes. He saw, he met young people. Amen. 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 Et les femmes sont venues l'embrasser. And women came to hug him. Le prophète dit. And the prophet said. Là-bas, oui. Over there, les femmes peuvent s'embrasser là-bas parce qu'ils ne sont pas comme dans ce corps ici. Because they are not like. C'est un autre corps là-bas. It's another body over there. Amen. 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 Mais ici. But over here. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit. No matter how full of the Holy Ghost you are. Vous devez fuir une femme. Amen. Vous pouvez embrasser qu'une seule femme, votre femme. Amen. You can only hug one woman and that's your wife. Amen. Pourquoi? Amen. Why? Dans ce corps, in this body, il y a la sensation. You have a sensation. Yes. Là-bas, c'est différent. Amen. Over there, it's different. Amen. 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 Ainsi, Dieu. And so, God in flesh. Ce n'était pas une théophanie. It wasn't a theophany. C'était un corps de chair. It was a body. Qui peut manger. That could eat. Abraham a lavé ses pieds. See, Abraham washed his feet. Après avoir mangé. That's right. They ate. Il a dit. He said. Cacherai-je Abraham ce que je vais faire. Will I hide from Abraham what I'm getting ready to do? Je vous épargne de beaucoup de lectures là. Vous connaissez ces choses. I'm sparing a lot of readings. Pour qu'on puisse bien avancer. So we can move on. Amen. 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 Cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Will I hide from Abraham what I'm getting ready to do? Il a révélé. He revealed. Ce qui montre que Dieu dans la chair humaine. Showing that God in human. Quand il devait se révéler dans la chair. When he was to reveal himself. Il devait révéler des mystères. Amen. Reveal the mysteries. Amen. Amen. Parce que Jésus nous dit ce qui arrive. That's right. Because Jesus is telling us. Allez arriver au jour où le Fils de l'homme devait se manifester sur la terre. So shall it be when the Son of Man is revealed on the earth. Amen. 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 Et nous voyons Abraham intercédé pour Lot. Abraham interceding for Lot. Son neveu. His nephew. Il a intercédé. He interceded. Seigneur, vas-tu détruire Lord, will you les méchants avec les justes? The prophet, right? S'il n'y a que 50 justes dans la ville. How about if there's 50 righteous? Vas-tu les détruire avec les méchants? Will you destroy them with that wicked? Et Dieu lui dit, God said, s'il y a 50 justes, if there are 50 je vais épargner la ville à cause de ces justes. I'll spare the whole city because of those 50 righteous. Amen. Amen. Il a posé des questions jusqu'à arriver à 10. And he came all the way down to 10. S'il n'y a que 10. What about 10? Vas-tu détruire? Will you destroy the city? Il dit non. He said no. À cause des 10. Because of those 10. Je veux pas détruire la ville. I will not destroy the city. Mais. But. La ville a été détruite. The city was destroyed. C'est que signifie qu'il n'y avait aucun juste. Meaning there was no righteous man. Amen. 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 Il lui demander à Lot de sortir avec sa famille. Lot has to come out with his family. Ils sont sortis. And they came out. C'est qu'à Sodome il n'y avait aucun juste parce que Dieu a détruit. That means that in Sodom there is not a single righteous. Si avec quelqu'un juste, Dieu allait épargner la ville à cause de lui. If there was some righteous, God would have spared the city because of them. Pourquoi il n'y avait aucun juste? Why were there not any righteous? Parce que ce qui justifie était en dehors de Sodom. Amen. Because the one that justifies this was outside of Sodom. Quand vous croyez dans le message de votre when you believe the message of your hour, c'est là que vous recevez la justice. Amen. That's when you receive justification. Amen. Brother Brown says, dans le message de la fête des trompettes, in the Feast of the Trumpets, il dit, he says, c'est l'épouse qui est appelée aujourd'hui. It's the bride being called today. L'épouse est appelée. The bride is called out. A sorti. Called out. Des traditions pentecôtistes. To come out of Pentecostal. Et des traditions du monde. Uh-huh. And to come out of that. C'est ça notre appel aujourd'hui. That's our call. Sortir de des traditions pentecôtistes. Come out of the Pentecostal tradition. Parce là-bas c'est la confusion. Uh-huh. Je n'ai plus là-bas. God is not there anymore. Amen. Amen. Aujourd'hui ce n'est plus un réveil pentecôtiste. Today is not a Pentecostal revival. Aujourd'hui c'est l'épouse qui est appelée. Amen. Ce n'est plus l'église.
l'église. C'est l'épouse. Et ceux qui forment l'épouse, ce sont des individus qui sortent des églises. Vous devez sortir du passé évangéliste. Sortez du lieu de mon peuple. Nous devons sortir des traditions pentecôtistes et des traditions des chiffres, des traditions du monde. Come out of the worldly. Et une fois qu'on est sorti, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Once we come out, il dit on doit se tourner. We've got to turn Christ. Amen. La parole voilà. Qui a été personnifiée devant nous sur la terre. Amen. On se tourne vers Christ. Voilà. When we turn la parole personnifiée. On reconnaît cela. On croit cela. Et cela la véritable expiation. Atonement. Yes. That's right. Et quand nous recevons cette expiation, and when we receive, aux yeux de Dieu, nous sommes sans péché. Amen. In the sight of God, we are sinless. Parce que quand Dieu nous regarde, il nous voit sous le sang. He sees us under the blood. Et le sang aujourd'hui, ce ne sont pas des éléments chimiques. Le sang aujourd'hui, c'est le message de l'Éternel. Amen. 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 Le messager et son message sont un. The messenger and his message are one. Amen. 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 Alors nous voyons que en ce temps-là. And so we see il n'y avait aucun juste dans ce monde. There was no righteous in some. Parce que celui qui justifie, le message, la visitation de Dieu était en dehors des autres. Because the one that justifies is the message, God's visitation took place outside of Sodom. C'est pourquoi Sodome et Gomorrah furent détruites. That's why Sodom and Gomorrah were destroyed. Et right. Jésus nous a donné cette référence. And Jesus referred us to back to them. Amen, amen, amen. 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 Quand le Fils de l'homme se manifeste comme cela, when the Son of Man manifests himself, ça a toujours été. It has always been un appel de miséricorde envoyé aux gens. It's always a call of mercy sent to the people. Dieu nous adresse un appel de miséricorde. God calling us in His mercy. Amen. 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 Dans les Sodom, in the days of Sodom, le Fils de l'homme sur la terre. The Son of Man on the earth. Amen. 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 Il appelle. And He's calling les gens sortis. The people to come out. Lot est sorti de Sodome. And Lot came out avec sa famille. With his family. C'est ce que je vous disais. Il ne suffit pas seulement de sortir. That's why I told you. Il devait sortir. It's not sufficient. Et ça allait sans retourner. It was necessary for him to come out and go away without turning back. Nous aussi aujourd'hui. We also today. Nous avons reçu cet appel de miséricorde. We have received this. Nous devons sortir. Mercy call to come out. Pour ne jamais plus rentrer dans la mort. Amen. Come out. Amen. We must come out in a way that we never turn back and go back to the world. La femme de Lot est sortie de Sodom. Lot's wife came out of Sodom. Mais son cœur était dans Sodom. That's right. But her heart right. was in Sodom. Yes. Amen. 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 C'est pourquoi quand nous lisons les prophètes. That is why when we read the prophet, il nous recommande de sortir du monde. He's telling us to come out. Et la Bible nous dit and the Bible que celui qui aime le monde that he that loves et les choses qui sont dans le monde and the things of the world, l'amour de Dieu n'est point en lui. The love of God is not in him. Quand nous entendons cela, when we hear it, et comme nous aimons tellement le monde, and because we love the world, cela nous scandalise. Then we are offended. Cela devient une occasion de juste. Tellement les gens aiment le monde. Because the people so love the world. Et Jésus a dit. And Jesus si said, vous aimez le monde. If you love the world, si vous aimez le monde, ma sœur. If you love the world, my sister. Amen. Amen. C'est que l'amour de Dieu n'est plus. It means the love of God is not in you. Right. Et nous sommes très achoppés avec cela. And we are offended when we hear it. Mais c'est la vérité. But it's the truth. C'est la vérité. It's the truth. Amen. Amen. Nous devons sortir des choses du monde. We have to come out. Sortir des traditions du monde. Come out of the tradition. Sortir des traditions des nationales. Come out of the tradition of des traditions pentecôtistes. Pentecostal traditions. Et nous tourner vers Christ la parole. Turn to Christ the word. La parole qui a été personnifiée. The word that was made flesh. Amen. 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 Aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Today, brothers, parce que nous sommes sortis. Because we have come out. Frère Branham dit, Brother Branham says, aujourd'hui, today, nous devons croire. We have to believe ce message.
this message. Avec tout ce qui est en nous. Si nous attendons à être enlevés aujourd'hui, croyons le message avec tout ce qui est en nous. Believe the message with everything that's in us. Suivez ce que Frère Branham dit. Listen to what the dans le message, la nourriture spirituelle au temps convenable. In the message, spiritual food in due season. Au paragraphe 4. Paragraph 4. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Je veux que vous affermissiez maintenant. I want you to be strengthened now. Vous devez être affermi. We have to be strengthened. Dans ces saints oracles. In these holy oracles. Dans ces saints oracles de Dieu. In these holy oracles of God. Dans la foi. In the faith. La foi de cette heure. Amen. Of this hour. Amen. 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 La foi de cette heure, ce n'est pas la foi. Du temps de Luther. C'est ça. The faith of this hour is not the faith in the days of Luther. That's right. Right. Yes, sir. Exactly right. La foi de cette heure n'est pas la foi du temps de Wesley. Wow. The faith of this hour is not the faith in the days of Wesley. No. Right. La foi de cette heure n'est pas la foi du temps de Pentecôtistes. The faith of this hour is not the faith in the days of the Pentecost. Right. Right. Dans la foi de cette heure-ci. Because the faith of this hour la foi pour Amen. Is rapturing faith. Dieu nous entraîne, c'est la paix de miséricorde. God is sending us a nous mercy. Nous devons sortir. A mercy. Et nous rassembler dans ce message. And gather in the message. Pour notre préparation. For our preparation. À l'enlèvement. Amen. For the rapture. Amen. Amen. Nous croyons aujourd'hui pour être enlevés. We believe today in order to be raptured. C'est pourquoi le prophète nous dit de nous affermir maintenant dans la foi. That is why the prophet is telling us to be established in this faith. Amen. Quel que soit. No matter les épreuves que nous rencontrons. The trials we face. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nous croyons que le message n'est pas facile. We know the message is not easy. And the devil has come down with a great il sait qu'il n'a plus de temps. Knowing that his time is gone. Ce monde sera détruit. Knowing that this world is going to be destroyed. Amen. Amen. Il y a de la perversion, de la confusion, du péché partout. There's perversion, confusion, sin everywhere. Mais Dieu soit loué. But praise God. Parce qu'avec ce message, il était dit. It is written, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Confusion. C'est un message de restauration. It is a message of restoration. C'est un message de restitution de toutes choses. It's a message of restoration of all. Je restaure ma foi apostolique. God restoring apostolic faith. Je vous ramène à la véritable adoration. God bring us to true worship. C'est ce qu'il a fait avec ce message. That's what he has done by this message. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. We are in the end time. Alors nous devons croire. So we must believe. Tout ce que le prophète a dit. Everything the prophet said. Non seulement croire. Not only believe. En les déclarant par ma bouche. Just speaking it. Mais nous devons être identifiés avec ce message. We have to be identified with the message. Nous devons obéir au message. We must obey the message. Dans le message de Sip, Frère Branham dit. In the message they are talking, the prophet. Vous pouvez dire que je crois tout ce que Frère Branham a dit. You may say, I believe everything Brother Branham says. Il dit, c'est parce que vous savez lire. So that only means that you know how to read. Vous croyez parce que vous avez lu. Just because you know how to read and read. Vous dites que vous croyez parce que vous avez entendu le pasteur parler de ça. You say you believe just because you heard the pastor preach. Mais obéissez au message. Wow. Obey the message. C'est ça quoi. Amen. C'est ça le yes, believing. Alors il dit, and then he says, je veux. I want que vous vous affermissiez. That you can, you, I want you to be established. Maintenant, right now, dans ces saints oracles de Dieu, in these holy oracles of God, dans la foi, in the faith, la foi de cette heure, the faith of this hour, la foi, the faith. Il faudra plus de foi. It is going to take more faith. Il n'y en a jamais eu dans tout autre âge. That has ever been in car age. Ceci doit être la foi pour l'enlèvement. Amen. Must be rapturing faith. Amen. Pour être enlevé au ciel. In order to be raptured and go to heaven. Qui croit qu'il sera enlevé? Who believes that you will be? Or you can c'est believe que nous avons cru le message. That's why we believe the message. Le but de ce message, the le but de notre rassemblement, the first purpose of our gathering, c'est pour être enlevé, c'est de l'orage. Amen. Amen. Et la Bible dit là où sera le corps, là ça s'appellera les aigles. And the Bible says, wherever the carcass is, there shall the eagles gather together. Amen. Le Fils de l'homme a été manifesté. The Son of Man was manifested. Sur la terre.
on the earth. Nous nous nourrissons du corps infaillible du Fils de l'homme. Du corps parole infaillible. We are feeding on the infallible body word of the Son of Man. Mais l'objectif c'est quoi? But what is the objective? What is pourquoi nous sommes rassemblés? Why are we gathered together? Pourquoi il y a eu le cri des commandements? Why was there a shout? Man. Pourquoi? Why? La voix qui s'est entendue. The voice that was heard. C'est pourquoi? Why? C'est pour nous préparer à l'avènement. It's to prepare us for the rapture. Et rater ce but là. And to miss that purpose. C'est vivre dans le péché. Is to live in sin. Car le péché. Because sin. C'est marquer le but. Miss the mark. Amen. Amen. Donc nous devons croire. So we must believe. Alors pour être enlevé. In order to be raptured. Frère Branham dit vous devez croire cela. Brother Branham says you've got to believe this message. Amen. Dieu a donné au prophète comme à Moïse deux signes. Like unto Moses, God gave the prophet two signs. Pour appeler les gens à sortir. To call the people out. Amen. Amen. Pour attirer l'attention des gens. To attract the attention of the people. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné au prophète ces signes-là pour attirer les gens. That's what God gave the prophet as signs to attract the people behind. Maintenant, suivez un peu ce qu'il dit lui-même. Now listen to what he says himself here. Dans le message même dans l'Évangile. In a very message called the Rapture. Qu'est-ce qu'il dit? Listen what he says here. Au paragraphe 151, il dit ceci. Paragraph 151. Lorsque je suis allé avec vous tenir des réunions et prier pour les malades. When I went forth among you to hold meetings and pray for the sick. Cela allait bien. That went just fine. Mais lorsque je suis venu avec un message. But when I came back with the message. Bravo. Si un message est proclamé, if a message goes forth, si c'est un véritable message, if it's a true message, accompagné de véritables authentiques miracles de Dieu, accompanied with a genuine et qu'il demeure dans cette organisation, and that message remains that vous savez qu'il n'est pas de Dieu, you know that's not of God, parce que cette chose a déjà été annoncée, because this thing has already been foretold. Il parle de Jésus. Jésus parti à guérir les malades. Jesus went forth healing the sick. Afin d'attirer l'attention des gens. In order to attract the attention. Ensuite vint son message. Then came his message. C'est vrai. That's true. Il doit y avoir quelque chose que Dieu va introduire. There's got to be something God has to introduce. Il va mettre ceci. Now he's speaking. La guérison divine. The divine healing. Les miracles. Miracles. Sont là. Are there. Pour attirer l'attention. Amen. To attract the attention. Yes, sir. Amen. 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 Mais la chose principale, but the main thing, au cœur de tout cela, in the heart of all that, c'est le message. Amen. It's the message. Amen. Exactly. Amen. Amen. Il guérissait. Ce n'était qu'un poule pour attirer les gens. He healed the sick. It was just. Le discernement, c'est le poule pour attirer les gens. Discernment was a pull to attract. Ce qui est important là-bas. But what was important in there? C'est le message. Was the message. Amen. Voilà quoi. That's what c'est ce qui vient d'ici dedans. And that's what comes out of here. Il essaie d'obtenir la faveur des gens. See, he's trying to get the favor of the pour qu'ils s'arrêtent et l'écoutent. That they might stop and listen. Voyez-vous, you see? Qu'il y en a quelques-uns là dedans qui sont destinés à la vie. Well, there are some out there that are predestined unto life. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a donné au prophète ces signes-là pour attirer l'attention des gens. Une fois que vous êtes attiré. Il y a la chose principale. That is why God gave the signs to the prophet to attract the attention of the people. And once the people's attention is attracted, then comes the message. C'est le message. And it's the message which is the main. C'est le message qui nous prépare. It's the message that. C'est la chose principale qui nous prépare. That's the main thing, dear brother. Mais maintenant le message qui va nous préparer. But now that message. Et pour beaucoup une occasion de chute. That very message, many are offended in it. Nous n'irons pas au ciel comme sur un lit des anges. We are not going to be taken to on a carried by the easy bed of ease and just like that. Sans un sacrifice on peut bien obtenir. Without sacrifices, you can get nothing from God. Right. Nous devons accepter le message et rejeter tout ce qui est contraire à ce message. We have to accept the message. Amen. And reject anything contrary Amen. To the message. Amen. 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 Et accepter le message, c'est croire tout ce que le prophète a dit. Voilà. Le mettre en pratique, c'est cela. And to truly accept the message means to believe everything the prophet says and to put it in practice. Amen. Mais la chose la plus difficile aujourd'hui, bien aimé frères et sœurs.
But the most difficult thing today, brothers and sisters, c'est même croire le prophète. C'est ça. Is to even believe the prophet. Ça a toujours été difficile. It's always been difficult. Croire le prophète. To believe the prophet. Si je pose la question, qui croit le prophète? If I ask the question, how many believe the prophet? Nous dirons tous que nous croyons. We would all say yes. Qui croit le prophète? How many believe the prophet? Let's see the hands. Est-ce que nous obéissons? But are we obeying the prophet? Est-ce que nous faisons ce que le prophète dit? Are we doing what the prophet told us to do? Et frère Madame dit, and brother Ramon says, la seule façon pour Dieu de nous aider ici, the only way God can help us here, la seule façon que Dieu a à nous aider aujourd'hui, the only way that God has today to help us, c'est quand il nous amène à croire le prophète. Is if he can get us to believe the prophet. Et c'est là toujours été difficile. And it's always been difficult. La chose la plus difficile. The most difficult thing. C'est d'amener un mortel à croire dans notre mortel. Wow. À croire que ce mortel-là dit la vérité, c'est lui, le prophète qui était tout. And to believe that that prophet is speaking the truth and that that prophet is the one that was promised. Amen. 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 Ce que frère Branham dit. Listen to what the prophet is saying. Dans la guérison et ce qu'est la maladie. And healing and what is sickness. C'est un message qu'il avait prêché le 8 août 1950. March 8, 1950. Il dit ceci. He says this. Eh bien. Well. Il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées à l'église pour stimuler la foi. Maybe things that God has added to the church to stimulate faith. Mais alors quand je serai parti. But then, when I'm gone, la guérison ne s'en ira pas. Healing will not be gone with me. Amen. La guérison devrait se faire plus qu'elle ne se faisait avant. Amen. Amen. Yes, sir. But healing should take place even more than Amen. It will take Amen. Place Amen. Before we come. Vous voyez, you see, c'est cela le but. That's the purpose. Amener les gens dans l'esprit de ces derniers jours. To bring the people in the spirit of the last days. Amen. On veut dire aujourd'hui c'est pour les temps des fêtes. Because we just got through saying that today. Même quand nous prêchons, il faut que les gens sachent que nous nous préparons pour l'avènement. The faith today, the preaching today, everything today has the purpose. Il faut amener les gens dans cet esprit-là. And we got to bring. Dans l'expectative. In that spirit. On se prépare pour l'avènement. In that expectation. Et pour les temps des fêtes. For the rapture, nous devons avoir l'amour parfait. And in order to be pour être enlevé, nous devons être remplis de cet esprit. Pour être enlevé, nous devons avoir la stature de l'homme parfait. We got to have the stature of perfect man. Amen. Amen. Donc en prêchant, nous amenons les gens dans l'esprit des derniers jours. So in preaching, we must bring the people to the spirit of the last days. Nous sommes aux derniers jours. We are in the last days. Croyez-vous cela? Do you believe that? Nous y sommes. We are. Le monde est dans l'esprit des derniers jours. And the world is in the last days spirit. Mais l'église n'est pas encore dans l'esprit des derniers jours. But the church is not in the last days spirit yet. Mais Dieu veut que son église soit tellement dans l'esprit qu'il sera dans l'harmonie partout où Dieu devra les envoyer. But God wants His church to be such in spirit that they would be in harmony everywhere God would send them. Mais nous les ministres n'avons pas encore fait entrer l'église dans cet esprit-là. But we ministers have not yet brought the people in that spirit. Nous devons être dans cette condition afin d'être pris dans l'enlèvement quand il viendra. We have to be in that condition in order to be taken in the rapture when it takes place. Amen. 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 Donc nous prêchons pour vous amener à ça. And so we are preaching to bring you to. Mais maintenant, ce que nous présentons, and so what we are presenting, c'est une occasion. Le message devient une occasion de jugement pour nous. But it's a stumbling block. The message itself, many are offended in the message. Beaucoup de gens s'achoppent sur ça. Stumble at the message. Et pourtant, c'est la chose même qui nous prépare pour le bien. And yet, it's the very thing that prepares us for the rapture. Amen. 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 Nous disons que nous croyons le prophète. Que Dieu, God, quand il l'a appelé, when he called me, il l'a commissionné. He commissioned him. Il lui avait envoyé un ange. He sent an angel. Il lui avait dit. And he told him. Si tu amènes les gens à te croire. If you get the people to believe you. Not même pas le cancer ne pouvait résister à la prière. Not even cancer would resist your prayer. Vraiment, il faut amener les gens à le croire. And so brother Ren had to get the people to believe. Aujourd'hui, nous devons le croire. And today we have to believe.
comme étant le messager de cet âge. La bouche de Dieu aujourd'hui. The messenger of this age. Ses frères. Ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Amen. What he said. Parce que Dieu l'a confirmé. Amen. God vindicated him. Amen. Amen. Je veux ce qu'il dit lui-même. Listen what he said. Dans les dons et les appels sont sans repentance. In gifts and callings are without repentance. Jésus a dit. Jesus said. Je le peux si tu crois. I can if thou can believe. Or, pour croire Dieu, la plupart des besoins, des gens ont besoin de quelque chose. And yet, in order to believe God, many people need something. Quelque chose de visible. Something visible. Quelque chose qu'ils voient. Something they can see. Et qui représente Dieu. That represents God. Je crois que l'une des choses les plus difficiles. And I believe that one of the most que Dieu a jamais eu à faire. That God has ever had to do. D'amener un mortel à croire un autre mortel. Is to make a mortal believe another mortal. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. We don't believe one another. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. And yet, we are God's agents. Amen. 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 Dieu veut que nous puissions croire un mortel. Il nous a présenté un mortel. Devons le croire. God wants us to believe a mortal. We got to believe. Même Jean s'était achoppé à cela. See, John himself was offended. Jésus est devenu le lion brisé des chutes. Jesus had become a. Il s'est représenté des choses. See, John had. Mais Dieu est venu dans la simplicité. But God came down in simplicity. Il l'a pointé comme étant le Messie. He pointed to him. Mais il s'est retrouvé dans des difficultés. Il s'est dit, mais est-ce lui ou bien nous devons attendre? But in his difficulties, he was wondering, is it him? C'est quoi? Go ask. Il s'était achoppé. He was offended. Il s'était représenté quelque chose. He had represented himself something. Il était un peu consterné. J'ai déjà présenté aux gens, mais le Messie qui devait sauver l'humanité. He was so pissed off. I've already told the people that's the Messiah, and here I am in prison. That's right. Amen. 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 Il m'avait dit. He told me. Que si j'amenais les gens, mais quoi? That if I could get the people to believe. Cela me semble étrange de devoir vous dire de me croire moi. And that may seem strange. To have to tell c'est étrange, n'est-ce pas? To believe me. Isn't it a scandal for you? Isn't it strange? Well, it's a stumbling block for me. Right. C'est une occasion de chute. It's a stumbling block. Il dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Aren't you supposed to believe in God? Vous devez croire Dieu. Voilà. Croyez Dieu. Believe God. Croyez en Christ. Believe Christ. Et croyez au Saint-Esprit. Voilà. Believe the Holy Spirit. Après avoir cru en nous tous. But after having believed in that, God wants que vous me croyez. Amen. God wants you to believe me. Amen. Amen. C'est ça. That. Right. C'est difficile de croire Dieu. Wow. It's not difficult to believe God. C'est facile de croire Dieu. It's easy to believe God. Amen. Amen. Mais croire Dieu dans la chair humaine. Ah. But to believe God in human flesh. C'est là ça. That's exactly right. That seems different. That's right. C'est croire que Dieu qui a créé l'univers. Or to believe that God who made the universe. Croire que Dieu était en Christ. How that God was in Christ. Il a versé son sang. He poured his blood. Mais croire que le même Dieu là. But to believe that same God. A emprunté un corps aujourd'hui. Exactly right. Has borrowed a body today. Et s'est manifesté sur la terre. And manifested himself dans la chair humaine. In human flesh. Cela est un morceau du. That is a hard one to swallow. Cela devient une pierre d'achoppement. And it becomes a stumbling block. That's right. Et pourtant, and yet, Dieu l'a confirmé. God vindicated him. C'est la foi pourvue par Dieu. It's God's provided way. Si nous voulons être préparés, if we want to be prepared, croyons le prophète. Let's believe the prophet. Suivons ce qu'il nous dit. Let's follow what he tells. C'est la foi que Dieu a préparée. It's God's provided way. C'est la chair que Dieu a utilisée aujourd'hui. It's the flesh that God used today. Est-ce que vous croyez que Dieu a utilisé la chair du prophète Branham? Do you believe Amen. That God used the flesh of William Branham today? Amen. 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 Nous devons le croire. We've got to believe it. Il dit c'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions le croire. It's God Himself who wants us to believe Him. Je vois dans l'Ancien Testament. I see the Old Testament. Quand les enfants de Dieu étaient dans l'Exode. When God's children were sur la ligne de foi. In an Exodus, ils allaient dans la terre promise. In the line of duty, ils venaient d'être délivrés de l'esclavage d'Égypte. They were just delivered from the slavery. Ils étaient sur la ligne de foi. On the line of duty, ils étaient sortis.
They came out. Mais n'étaient pas encore entrés. But they haven't entered yet. Amen. 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 Le désert, ce n'était pas la destination. See, the wilderness was not mais la terre promise, c'est là qu'ils allaient. The destination was mais ils devaient passer par le désert. But they had to go through the wilderness. Ils étaient en chemin. They were on the ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. They met many obstacles. Au point où quand ils ont murmuré, until when they began to murmur, les serpents sont venus les mordre. The serpents came and bit them. Ils étaient mordus. And they had parce qu'ils avaient murmuré. Because they have murmured. Amen. 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 Alors qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Why did God tell parce qu'ils ont crié, Moïse, voilà, nous périssons, nous mourons. Said Moses, Moses, we perish. Dieu s'est adressé, Moïse s'est adressé à Dieu. Moses spoke to God. Seigneur. Lord. Et Dieu lui a donné comme remède un serpent qui devait être perché sur placé sur une perche. And God gave him a sign. It was a serpent, see, on a pole. Un serpent d'air. A brass serpent. Right. Amen. 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 Alors pour être guéri de la blessure, and so to be able to be healed, il fallait tout simplement regarder au serpent. Amen. All they had to do was c'est tout ce que Dieu leur avait dit. That's all God asked. Regarder au serpent. Look to the serpent. Regarder pour être guéri. Look to the serpent. Regarder pour être guéri. Look to the serpent. Non pas crier. Not scream. Non pas parler. Not even call. Regardez seulement. Amen. Vous êtes mordu. Regardez au serpent. Vous êtes mordu. Regardez au serpent. Si vous vous préoccupez de votre morsure, vous mourrez. C'est ça. If you worry about your snake bite, you'll die. Mais si vous regardez au serpent, but if all you do is look, comme c'était la foi pourvue par Dieu pour la guérison, because that was God's provided, comme c'était la foi indiquée par Dieu, that was God's appointed way, vous regardez au serpent, to look to the serpent, vous êtes guéri. Amen. 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 Et le serpent va représenter Jésus. Amen. And that serpent represented Jesus. Amen. Amen. Il faut regarder. You have to look. Amen. Amen. C'est tout ce que Dieu demande. That's all God was. Mais aujourd'hui, today, pour être en effet, to be rapt, pour croire ce message, to believe this message, Dieu God veut want que nous puissions croire le prophète. Amen. God wants us to believe his prophet. Amen. 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 Nous devons croire Dieu. He said, well, we have to believe God. Mais le prophète qui est dit, c'était un homme. The prophet was just a man. Nous sommes censés croire Dieu. We're supposed to believe God. Croire le Christ. Believe croire le Saint-Esprit. Believe the Holy Spirit. Il a dit d'accord, il faut ça. The prophet vous devez croire Dieu. You got to believe Christ. Croyez Christ. Believe Christ. Croyez le Saint-Esprit. Believe the Holy Spirit. Mais après avoir cru tout cela, but after you believe all that, je veux that same que God vous puissiez me croire. Want you to believe me. Si vous ne me croyez pas, if you do not believe, et vous croyez Dieu, and you believe God, vous croyez le Saint-Esprit, you believe, vous croyez Jésus, you believe Jesus, et dit, vous n'en bénéficierez jamais. Jamais. Amen. 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 Il dit ceci. He said, la manifestation de l'Esprit. In the manifestation of the Spirit. Du 17 juillet 1951. July 17, 1951. Paragraph 47. Je veux que vous croyiez Dieu. Ça c'est très bien. I want you to believe God. Que vous croyez Christ. That you believe Christ. Je veux que vous croyiez le Saint-Esprit. I want you to believe the Holy Spirit. Je veux que vous me croyiez. I want you to believe me. Maintenant, now, vous pouvez les croire. You may believe that. Et ne pas croire que je vous dis la vérité. Mm-hmm. And fail to believe that I'm telling you the truth. Vous n'en bénéficierez jamais. You will never benefit from it. Amen. 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 Je ne suis ni le Père. I am not ni le Fils. Neither ni le Saint-Esprit. Nor am I the Holy je suis Spirit. Un homme. I am a man. Votre frère confirmé avec un ministère confirmé par les lettres surnaturelles. Your brother, but with a vindicated ministry by. Non pas moi. Not me. L'ange du Seigneur. The angel qui est venu de Dieu. A thing from God. Pour nous donner ses bénédictions. To give us his blessings. Est-ce la lumière électrique peut dire regardez quel grand fil je suis? Can an electric wire boast and say, look how great wire I am. Le fil n'a rien à voir avec ça. See, that wire has nothing to do c'est with le courant dans le fil. Amen. Current in the wire that produces et light. Non le fil. It's not the wire. Je suis comme le fil. I am the wire. Amen. Amen. Glory to God. Frère Branham est une occasion de chute pour beaucoup. And Brother Branham, many are offended. Mais dit, je ne suis rien. He said, I am nothing. C'est quelque chose, c'est le courant dans le fil.
What is something is the current, the electricity. Je ne suis qu'un fil. I am only the wire. Le fil est un conducteur du courant. And the wire is only conductor. Le courant passe dans le fil. And the current. Frère Branham est comme le fil. And so Brother Branham is just like the current. Mais ce qui est quelque chose ici. And what is something here? C'est lui qui opère dans son ministère. He that operated. C'est lui qui doit opérer dans ta vie. He that operates in your life. C'est celui qui était dans le prophète. Amen. Was in the prophet. Amen. 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 C'est pourquoi il dit. That's why he said. Quand il priait, when he prayed, il dit Père, he said, Father, secoue ces gens. Shake these people. Secoue cette semence d'Abraham. Shake this seed of Abraham. Qu'ils ne puissent pas regarder à cette chair. May they not look to this flesh. Amen. Amen. Car au temps d'Abraham, because in the days of Abraham, la chair même que tu avais utilisée, the very flesh that you used, après l'avoir utilisé, était rentré à la poussière. After using it, it went back to the dust. De même, the same way, cette chair, this flesh, qui tu utilises maintenant, that you are using now, retournera à la poussière, shall return to the si dust. Tu tardes à revenir. Est-ce que la chair de frère que Dieu a utilisée aujourd'hui? Now, the flesh that God used to le corps du prophète Branham. The body of the prophet. Est-ce qu'il est retourné à la poussière? Did it go back to the dust? Yes. Oui. Oui. Yes. Il est retourné à la poussière. Went back to dust. Amen. Amen. Mais Dieu est dans son épouse aujourd'hui. But God is in his bride today. Dieu continue avec son épouse aujourd'hui. God continues with his bride today. Amen. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Oh, dear brothers and sisters. Si le prophète était une pierre d'achoppement pour vous. If the prophet was a stumbling block. Où serait ça? Or this message was a stumbling block for you. Il est dit lui-même. He says it. Affermissez-vous dans la foi de cette heure. Be strengthened in the faith of this hour. Continue à croire le message. Continue to believe the message. Dieu devait se manifester dans la chair humaine. Dieu devait se manifester dans la chair humaine. God was supposed to manifest himself. Il l'a fait. Amen. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. This day is this scripture for Christ la parole. Let us have our eyes turned to Christ the Word. Continue à croire malgré les épreuves. Continue to believe in spite of the. Continue à croire malgré les temps difficiles. In spite of the hard times. Dieu a confirmé ce message comme étant la vérité. God has vindicated this message. C'est la seule vérité que nous avons. The only truth we have. Pour être enlevé. To be raptured. Soyons en Christ, en point Christ. Amen. Let us be in Christ. Let us enter in Christ. Amen. Amen. Comme les gens du temps de Noé. As it was the days of Noé. They had to enter in the aujourd'hui on croit. Today Amen. Let's enter in. Croyons les prophètes. Let us believe the prophet. Le prophète. The prophet. C'est un instrument que le Dieu bénit. Amen. Is only an instrument in the hands of God. Le prophète. The prophet. C'est la voix que Dieu a choisie aujourd'hui. Is God's chosen way pour se révéler, to reveal Himself. Le Fils de l'homme. The Son of Man. A été manifesté dans la chair. Was manifested in the flesh. Brother Branham says, le messager n'est pas le Fils de l'homme. The messenger is not the Son of Man. Mais il révèle le Fils de l'homme au public. Amen. Amen. He reveals the Son of Man. C'est là qu'on scandalise. Are you offended in that? Tout est en ordre pour te faire arriver comme c'est arrivé. Everything is perfectly in order. Mais qu'est-ce que nous devons faire? But what must we do? Continue à croire le message. Continue to believe the message. Continue à croire le message. Continue to believe the message. Jusqu'à ce que nous serons enlevés. Until we are raptured. Mais vous direz. And you say. Comme Frère Doc avait posé la question à Frère Branham. As Brother Doc asked Brother Branham one time. Il dit. He says. Frère Branham. Brother Branham. Je ne sais pas si je suis sauvé. I don't know if I'm saved. Je ne sais pas si je serai dans l'allaitement. I don't know if I'm going to be in the rapture. Mais je désire vraiment être dans l'allaitement. But I truly desire to be in the rapture. Et quand il pose cette question, il avait 91 ans. Ça devait être 11 ans. And that was Brother Bill Dow. He was already 91. Et Frère Branham dit. And Reverend talking. Frère Branham. Brother Dow. T'es-tu déjà arrivé d'aller dans un cabinet de médecin? Have you ever been to a doctor? Il dit oui. Yes. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans un cabinet de médecin? What does it do? What does the doctor do when you come there? Il dit. He says, quand vous y entrez. When you enter there. Qu'est-ce que le médecin dit? What does the doctor do? Il vous soumet à un examen. He tests you. Il prend un appareil. Takes an stethoscope. A stethoscope. Il prend votre pouls. Puts it here. Takes your pulse. So forth. Il prend la tension artérielle. Takes your. Il fait les examens. And many other tests. Et d'après les résultats. And according to the results, il compare ces résultats-là à son livre de science, à son livre médical. And he compares the result to his medical book. C'est à partir de cette
il voit ce qu'il a étudié dans, dans la science médicale, from what the medical science has said in the book, il peut vous déclarer en bonne santé ou bien vous êtes malade. Or sick. Et frère Bram dit, said, maintenant, now, je vais te soumettre à un examen. I'm going to put you to a medical test. Et moi aussi, avant de terminer, je vous soumets à un examen. And I also, in closing, let me put you to a test. Il y a la science de l'âme. There is the science of the soul. Le médecin vous déclare en bonne santé à partir de la connaissance qu'il a dans son livre médical. The medical doctor will declare you healthy according to the medical book that he has of your physical body. Et frère Branham dit, and brother Branham says, le seul livre, la seule science qui traite de l'âme, c'est la parole de Dieu. The only book that deals with the soul is the word of God. Il dit, and he says, d'après Jean chapitre 5, le verset 24, according to Saint John, chapter la Bible dit, en vérité, je vous le dis, verily, verily, I say to you, celui qui écoute ma parole that hears my et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il est passé de la mort à la vie. And passed from death. Il ne viendra pas en jugement. And shall not come in. Il pose la question. And he asked, et tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Do you believe the Lord Jesus? Comme ton Seigneur et Sauveur personnel. As your personal Savior and Lord. Et je crois. Said, yes, I believe. Qui croit au Seigneur Jésus-Christ? Now this morning, how the Lord Jesus Christ. Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur sur le personnel? Have you accepted him as your personal? Est-ce que tu as eu une expérience avec lui? Have you had an experience with him? Oui. He said yes. Je me suis fait baptiser. I was baptized. Je le suis, je le crois. Toute parole qui est sortie de sa bouche, j'ai ponctué amen à cela. I believe every word that came out of his mouth, and I punctuated with an amen. Et frère Rabbi, d'après les déclarations de cette science. According to the declaration of this book of science, il dit que tu as la vie éternelle. My declaration is that you have got eternal life. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Because you obey the Lord. Tu as cru au Seigneur Jésus Christ. You believe the Lord. Tu as été baptisé au nom de Jésus Christ. You've been baptized in Jesus. La parole est devenue ta vie. The word has become your life. Tu vas tout pour vivre la parole de Dieu. In your life, you strive to keep the word in practice. You have eternal life. D'après la déclaration de la Bible. According to the declaration of the Bible. Frère dit, ah, c'est bien. And brother Bill Dow said, that's right. Mais frère là. But brother Brad. Mais j'aimerais tellement être enlevé. I really love to be. Est-ce que je serai là ou pas? Il avait déjà 91. Will I be in the rapture? He was already 91. Frère là, m'a dit. Brother Brad told him. Je n'ai pas voulu lire pour ne pas vous le dire. Non, dans ce livre, l'homme de Dieu, c'est un message avertissement puis jugement. It's in a message warning then judgment. And then he said, Fred Doc, Brother Dav, d'après la parole de Dieu, il dit, according to the word of the Lord, it's written. Il prend 1 Thessaloniciens 4. And he took 1 Thessalonians chapter 4. Nous pouvons prendre cela. Let's just take it in closing. Aimez-vous les prophètes? You love the prophet? On va essayer d'apporter ceci. We try to bring this pour amener les gens. To bring the people. À croire les prophètes. To faith, to believe. Car il y a une béatitude qui marche avec cela. Because there's a blessing, there's a heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion. Blessed is he that is not offended in me. 1 Corinthiens chapitre 4. Pardon, 1 Thessaloniciens, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 13. Verse 13. Oh, c'est ça. C'est correct. Je peux te lire en anglais. Oui, allez-y. Let's read it in English. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, and we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons if we believe que Jésus est mort, that
that Jesus et qu'il est ressuscité. And rose again. Est-ce que nous croyons que Jésus était mort? Now, do we believe Jesus died? Et qu'il est ressuscité? Do we believe he rose again? Croyons aussi. Let us also que Dieu ramènera par Jésus will bring et avec lui and ceux qui sont décédés. Those who sleep, no? Nobody knows six more. Amen. Alléluia. Voici en effet ce que nous éclairons d'après la parole de Dieu. Alléluia. So for, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. This we say by the word of the Lord, that we which are alive and remain. En tout ne dépasseront pas ceux qui sont décédés. The coming of the Lord. Car le Seigneur lui-même. A un signal donné. Lord himself. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premiers. Amen. Ensuite nous les vivants. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec le sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Ainsi nous serons toujours avec lui. Amen. Conseillez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. Alors il dit à frère donc, il dit, he says, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité? Do you believe the Lord Jesus Christ died and rose again? Yes, he said. Amen. Amen. Il dit, he says, est-ce que tu crois qu'il y aura une résurrection? Do you believe there's going to be a resurrection? Il dit, s'il ne vient pas dans cet âge, if he does not come in this age, ou dans l'âge qui va suivre, or in the following age, s'il ne vient même pas dans l'âge de tes arrière-fils, if he doesn't even come in the days ou de tes arrière-arrière-arrière-petits-fils, or great-great-grandchildren. Amen. 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 Même si tu es déjà mort, even after you die, avec cette assurance que tu as, avec la vie éternelle que tu as, quand il viendra, when he shall tu ressusciteras. Amen. Il dit que tu sois mort ou pas, frère, donc, whether you're dead or not, brother Dow, tu seras dans l'enlèvement. You will be in the rapture. Amen. 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 C'est pourquoi je pose la question, qui croit qu'il sera dans l'enlèvement? That is why I ask the question, how many believe? Même si vous mourrez, even if you die, les chrétiens ne meurent pas. The Christian doesn't even die. Frère, on a fait des questions. Si on vous disait que je suis mort, if you hear, say, si on vous disait que frère madame est mort, you hear say, brother is dead, ne le croyez pas. No, car les chrétiens ne meurent pas. Right. Et je ne peux pas mourir. And I can't die. Il n'a fait que changer de demeure de dimension. Only change dwelling places. Moi je crois que frère madame n'est pas mort. I believe brother is not dead. Qui croit que frère madame est mort? How many believe that he's dead? Mais qui croit qu'il n'est pas mort? How many believe he's not dead? Il n'est pas mort parce que les croyants ne meurent pas. He's not dead because no believer died. Je le confesserai toujours. I believe. Je témoignerai toujours qu'il n'est pas mort. And will always testify that he's not dead. J'étais à sa tombe. I was at his grave. J'étais de Jeffersonville. I came from Jefferson. Mais je crois. But I believe. Qu'il n'est pas mort. That he's not dead. Bien que son corps se trouve là. Even though his body is dead. Il n'est pas mort. He's not dead. Parce que les chrétiens. Because Christians. Parce que vous n'êtes pas celui que je vois. You are not. See what I see is. Ça c'est le corps, c'est le temple dans lequel vous êtes. That's right. This is only the temple. Vous-même. Vous êtes dans ce corps. Amen. You are in that body. Quand vous sortez de ce corps, when you come out of this, ce corps retourne à la poussière. Oh. This body goes back. C'est comme le prophète Malachi. Quand il était allé visiter les saints de l'autre côté, when he went to visit the saints, dans la sixième dimension, in the sixth dimension, il est sorti de son corps. He came out of his body. Le corps était là. And the body. Lui, c'est celui qui était sorti. And he moved out. Qui est vivant quelque part? Who is alive somewhere? Quand Jésus viendra. When Jesus comes. Amen. Amen. C'est comme cela que les saints avaient dit. That's how nous retournerons sur la terre. We shall go back. Et nous reprendrons nos corps. And we shall pick up those bodies. Et nous irons tous ensemble à sa rencontre dans les airs. And we shall go together. Nous devons nous consoler avec ces paroles-là. We must comfort one another. Est-ce que cela vous scandalise? Are you offended by this, my brothers and sisters? Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Blessed is he that is not offended. C'est Jésus qui parle. It's Jesus speaking. Jésus dans les prophètes. Jesus in the prophets. Jésus dans les croyants. Jesus in the believers. C'est Jésus. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui croient. Only God's children. Ce sont ceux-là qui étaient en Dieu, right, qui peuvent saisir la chose. And can catch it. Amen. 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 La révélation c'est quoi? What is revelation? Ou la foi c'est quoi? What is faith? La foi, faith, c'est une révélation is a revelation qui vient de Dieu. Amen. Et c'est sur cette base-là, and it's upon the faith, c'est sur cette foi-là, upon the faith, c'est sur cette révélation-là, upon the revelation, que Dieu a bâti sur l'église. Amen. 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 Si nous sommes enfants de Dieu, if we are God's nous devons saisir cette
des choses. Amen. Ainsi que rien ne nous scandalise. Que ce message ne soit pas un scandale pour nous. Let not this message. Ce message, this message, c'est la voie, la seule voie que nous avons. Is God's pour nous préparer à l'enlèvement. Le prophète, c'est la bouche de Dieu qui nous a parlé. The prophet is God. Ce qu'il a dit est la vérité. Amen. What he said is the truth. Aimons le prophète. Let us love the prophet. Écoutons-le. Let us listen to him. Obéissons au prophète. Let's obey the prophet. Alors nous serons enlevés. Amen. Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion. Blessed is he that is not offended in me. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Blessed is he that is not offended in me. Amen. 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 Est-ce que cela vous a-t-il scandalisé? Have I offended you? Est-ce que ce message vous scandalise? Has this message offended you? Le prophète est-il une occasion de chute pour vous? Is the prophet an offense? Nous, nous sommes les croyants. We are believers. Nous croyons. We believe. Même sans comprendre. Amen. On ne nous demande pas de raisonner avec les gens. We are never asked. On nous demande de croire. We are asked to believe. Si nous croyons au prophète, if we believe, si nous obéissons au prophète, obey the prophet, Dieu va nous donner le Saint-Esprit. Dieu va nous purifier. Yes. Nous serons justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit, placés dans les corps. Quand le moment sera là, même si vous mourrez, even if you die, même si vous ne mourrez pas, even if you don't die, nous verrons Jésus. Amen. We shall see Jesus. Parce que les morts résistent. Yes. Ceux qui seront en vie, those who are alive, seront changés. Will be changed. Si jamais, if at all, Jésus mettait pour sang dans vos venir. Jesus, c'est un exemple déjà pour la compréhension. If Jesus would give us another 100 years, nous tous ici, we all here, dans 100 ans, in 100 years, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera couronné? Will there be one of us here? These Jews will be gone. Dans 100 ans, tout le monde va s'endormir. We'll all sleep. Amen. Amen. Mais but, nous avons cette espérance bénie. Amen. Blessed hope. Qu'il vienne dans 10 ans, qu'il vienne dans 20 ans, qu'il vienne dans 100 ans, nous ressusciterons. Amen. Et nous le verrons. Amen. Mais s'il vient aujourd'hui, today, il y en a qui vont le voir. Amen. Parce que nous changerons. Amen. Nous nous rencontrerons avec les bien-aimés et nous irons à sa rencontre. Amen. Ainsi, vous êtes heureux. Blessed are ye. Si Jésus n'est pas une occasion de chute. Amen. Vous êtes heureux. Si le prophète n'est pas une occasion de chuter. Amen. Vous êtes heureux. Si ce message n'est pas une occasion de chuter. Amen. Qui veut être heureux? Who wants to be blessed? Qui veut être heureux? Amen. Il y en a qui ne veulent pas être heureux. Some of them don't. C'est une béatitude. But it's blessed. Alors, levons-nous et bénissons. Pour préparer cette grâce auprès de Dieu. Que Dieu fasse que nous soyons heureux. That God may make us truly blessed. D'avoir cru ce message. D'avoir accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Let us sing the song, Master. Oh, oh my. How many are so filled with the Word and you want to say Amen, Amen, Amen 3 times? Amen. 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 I can say 7 times. Amen. But let's sing another song. It goes something like this. I'm going up. I'm going up. I'm going up. In the first resurrection. Oh, yeah.
is already in my soul. I can feel it as the word of God goes forth. My soul is charged. And I know there's something here. You know, when there's a little fire, you can tell, can't you? Oh my, you're dead. When there's a little fire, you can tell. Amen. Is that right? Amen. S'il y a un petit feu en vous, n'est-ce pas vous? Vous allez le sentir. C'est la préparation pour la réponse. Mais s'il n'y a rien, restez à l'hôtel. Restez à l'hôtel si vous restez. Yes, sir. Hallelujah. Amen. Amen. Les hamburgers, les foufous, ces choses vont rester. Amen. Because if your need is to have that word in you. Amen. That word living itself now. Giving you joy. Preparing you for a heavenly atmosphere. Yes. Amen. Amen. Don't be offended. Amen. Amen. Don't be offended. You see the elder walking up. They have to take medicines and they have to catch things and so forth. But don't be offended in that. All time belongs to God. Amen. That's right. This is two services in one. Amen. What's wrong with that? That's right. Yes, sir. That's right. Amen. I'm not offended. You can't move me. That's right. Amen. No, you cannot shake me because Jesus Christ has already placed something here that's unshakable. Amen. Glory to God. Amen. Oh, thank you, Jesus. All right, we're going to pray. We want to ask you now to just bow your heads. Si vous voulez bien, approchez, pasteur. Éternel Dieu Tout-Puissant. Eternal God, Almighty God. Nous venons de parler, Seigneur, de cette béatitude. Have spoken of this beatitude. Que ton prophète a intitulé comme étant une béatitude. Your prophet called it a forgotten beatitude. Il l'a appelé comme étant une béatitude oubliée. He spoke it as a forgotten beatitude. Mais nous croyons réellement, Père. But we believe, Lord. Qu'en tant que croyant du message, as a message believer, nous avons trouvé grâce à tes yeux. We have found grace in your sight. Pour que nous puissions reconnaître notre jour et notre message. That we may recognize our day in this message, Lord. Ce message est un scandale. This message is a stumbling block. Pour de beaucoup de gens dans ce monde. For many in the world. Toi-même, tu as toujours été un scandale, une occasion de chute pour beaucoup de gens. You've always been a stumbling block for many. Mais ce matin, Seigneur, but this morning, Lord, avec ce que nous avons entendu, Seigneur, with what we have heard, Lord, nous nous estimons heureux. We deem ourselves blessed. Nous croyons que nous sommes heureux. We believe that we are blessed. Parce que nous croyons ce message. Because we believe this message. Lorsque ce message soit notre vie de tous les jours, let this message be our daily life. Garde-nous, Seigneur, d'être scandalisé. Keep us from being offended. Par quoi que ce soit que le prophète ait déclaré dans ce message. By whatever your prophet has declared. Nous voulons être des véritables croyants. We want to be true believers. Nous nous sommes rassemblés, Père. We have gathered, Father, pour une préparation. For a preparation. Pour nous préparer à l'enlèvement, Seigneur. To prepare for the rapture. Tu nous as envoyé. You have sent to ce us précieux message. This precious message. Pour notre préparation. For our preparation. Donne-nous, oh Dieu, d'appliquer le signe dans notre vie. To apply the talk in our lives. Donne-nous, mon Dieu, give us all d'obéir au ton message. Obey the message. Seigneur Jésus, Lord Jesus, pour que nous puissions un jour être enlevés. That we may one day be raptured. C'est l'espérance que nous avons. That's the hope that we nous croyons qu'un jour vient we believe that où nous te verrons face à face. When we shall see you face to face. C'est quand nous te rencontrerons dans les airs. When we meet you in the air. En attendant ce temps-là, until then, nous sommes en train de nous préparer, Seigneur. We are preparing ourselves. Garde-nous, Seigneur Jésus, keep us, Lord Jesus, de tous les scandales. From all scandals. Garde-nous, Seigneur Jésus, give us, Lord Jesus, de toute incrédulité. From every unbelief. Quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. No matter what trials we go through. Nous voulons être des croyants. We want to be believers. Continuez à croire. Continue to believe. Continue à nous affermir. Continue to strengthen. Dans la foi. In the faith. La foi de cette heure-ci. The faith of this hour. Car il s'agit bien de la foi pour l'enlèvement. Oh, it is the faith. Bénis mon frère. Bless my brother. Bénis ma soeur. Bless my sister. Même tous ceux-là qui étaient déjà découragés. Bless those that might have been discouraged. Ou celui-là qui était scandalisé. Or that one that was offended. Seigneur Jésus. Oh God. Laisse que ce message soit notre vie. Let this message be our life. Refais-toi davantage à chaque fois. Que nous puissions nous sentir heureux en tant que croyants de ce message. Message. Car c'est toi-même qui as déclaré, Seigneur, said, heureux, blessed,
celui-là, tout celui-là pour qui tu n'es pas une occasion de chute. Que ce message ne soit jamais une occasion de chute. C'est notre prière. Que tu nous gardes de cela, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, être enfermés dans la foi. Que nous puissions, oh Dieu, garder sous notre espérance, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole est sortie, oh Dieu. Elle a toujours été accompagnée d'une puissance. Une puissance qui délivre. Une puissance qui guérit. Une puissance qui libère. Power to set free. Puisse le nom de puissant. May, oh God, libérer les captifs. Set the captives. Délivrer, oh Dieu. Tous ceux-là qui sont possédés, Seigneur Jésus, Lord Jesus, nous t'invoquons, nous t'appelons, Seigneur, sois une réalité dans la vie de chacun de nos pères. Bénis, oh Dieu, cette église. Bénis ton serviteur, le pasteur Matamba. Son épouse, oh Dieu, ses enfants. Oh, tout croyant qui est venu ce matin. Fais que, oh Dieu, tout puissant. Alors que nous avons, oh Dieu, tenté de dire quelque chose. Accorde-le. Nous les demandons ici. Pour ta gloire, for your glory, au nom du Seigneur Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon église m'avait demandé de saluer tous les chrétiens par où je devais passer. My church has asked to greet all the believers wherever I went. Et vous saluer de leur part. Amen. Quand je rentrerai, si vous acceptez, je puisse aussi les saluer. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 God bless you. Amen. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissant, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière. Car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.